Vous sortiez. Je descendais. On entre par en bas. Je viens d'en haut. Je pars. Adieu. Vous aussi. Où allez-vous? Montons. Montons. M'élever de la terre. Montons. Adieu donc. Où descendez-vous? Restez plutôt. J'emporte ce qu'il faut. Adieu. Prenez garde. On ne voit plus rien dans Londres. Ignorez-moi ce qui étonne à présent. Majesté. Silence. Elle plaît de qui elle est. Adieu. Non, ce qu'elle a été. D'une main, elle donne. Elle s'exclame. Vous disiez. De l'autre, elle le nie. Oh, ma petite Angleterre. Elle tombe sur vous. Petits enfants, je vous adore. Quoi? Georges. Édouard. Il y a non loin de Londres. Des troupeaux malades. Et ces grandes peines. Pour les commerçants qui négocient. Édouard. Depuis quelques années, l'air souffle la mauvaise graine. Laquelle a fait baisser le prix des animaux stables. Croyez-moi, notre poulain et développe une malformation. 70 agneaux, des cerfs et des daims auraient contaminé la tamise. Ont été retrouvés morts. Les brebis n'engraissent pas. Cette tempête. Les chiens qui jouaient d'habitude. Se morfondent. Et la pire. Et les plus gloutons. Refusent tous les aliments. Croyez-moi, Anne Dexter. George, je veux être damnée. Si la paix règne un jour sur notre île.